Voilà, on a d'abord Tachan. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de formation sur le métier de rédacteur et d'actrice web. À l'heure où je tourne, il est 19h50 exactement dimanche, donc c'est la fête des mères, donc très heureuse fête des mères à toutes les mamans du monde. On va continuer là où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire à la slide où je vous donnais quelques petits conseils sur le contenu de votre rédaction. Aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement sur la conclusion qui est une partie importante dans le cadre de votre rédaction. Pour ça, je vais vous donner un petit peu tout ce qu'il faut qu'une bonne rédaction intègre. En plus de résumer ou de synthétiser votre rédaction, votre conclusion doit être capable de susciter l'interaction Avec des questionnements qui sont propres à l'article. Une fois le sujet terminé, quelles sont les questions qui peuvent subsister? Ça donne un prolongement à l'article. Vous pouvez aussi faire appel à des commentaires, des témoignages ou des avis. Vous pouvez également faire un appel au partage sur les réseaux sociaux, ou alors renvoyer vers un autre article pour pouvoir inviter votre lecteur à continuer sa lecture sur le site. La conclusion aussi est l'occasion de faire une ouverture, donc c'est l'occasion du coup d'ouvrir vers un autre sujet, une nouvelle thématique. Enfin, c'est aussi l'occasion de mettre un bloc de conversion ou un call to action. Ça dépend quel est l'objectif de votre site, mais en tout cas, vous pouvez faire appel à une action, demander à ce qu'on s'inscrive quelque part sur une newsletter ou qu'on commande un produit ou un service. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade de votre rédaction, c'est-à-dire au niveau de la conclusion, eh bien vous allez pouvoir commencer à envisager une relecture et à faire une correction. Nous verrons dans une autre formation comment est-ce que vous pouvez trouver du contenu de qualité pour alimenter votre article. Mais en tout cas, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous pouvez déjà faire une première relecture. Et je vous invite du coup à utiliser un outil qui s'appelle Scriben. Et puis également, si vous êtes sur WordPress, à utiliser du coup Yoast SEO, qui est un plugin sur WordPress. La version gratuite permet déjà beaucoup de choses intéressantes, notamment la possibilité d'indiquer un mot-clé ou une phrase-clé sur lequel le plugin va vous orienter et va optimiser votre contenu. Yoast SEO permet également de prévisualiser ce que votre article va rendre sur Google, sur Facebook ou Twitter également. Il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on ne va pas évoquer maintenant, mais je vous laisserai voir. De toute façon, je vous mets le lien dans la description pour plus d'informations. Une fois que votre rédaction sera complètement terminée, je m'avance un petit peu peut-être, mais je vous invite à faire relire votre texte par au moins deux de vos collaborateurs si vous travaillez en équipe. Et également, je vous invite à faire relire votre article à une personne qui correspond à votre audience cible. Par exemple, si c'est un article destiné aux mamans entre 35 et 40 ans, si vous avez des personnes de votre famille qui se trouvent dans cette tranche d'âge-là et qui sont mamans, eh bien, vous pouvez leur proposer de relire votre article pour voir si ça leur parle. Enfin, je vous ai regroupé ici un résumé de tous les éléments qui sont attendus dans une rédaction SEO. Dans un premier temps, je vous ai mis quelques indications sur l'utilisation de l'italique ou du gras, mais c'est propre à la charte éditoriale de chaque blog, de chaque site. Donc, renseignez-vous un petit peu sur l'utilisation des gras et de l'italique. Votre article doit ensuite contenir au moins une liste à puce, voire plusieurs même. Un tableau, c'est toujours bien aussi si vous pouvez en mettre un avec des informations clés. Une citation, voire plus, que vous pouvez prendre de livres ou d'experts. Et puis également un ou trois liens à voir ce que demande votre client. Mais c'est important de mettre quelques liens externes pour ajouter de l'autorité à votre texte. Renseignez-vous également sur la possibilité d'ajouter un maillage interne. Et puis, je vous invite à utiliser au moins une image par paragraphe, au moins par article, et une vidéo si vous le pouvez. N'hésitez pas à citer vos sources, mais évitez les concurrents de votre client. Voilà, pour terminer, je vous ai mis encore quelques petits conseils dans cette trame, ce template en fait que vous pouvez dupliquer à toutes vos rédactions. Indiquez les titres, métatitres et métadonnées, ça fait toujours très pro. Votre titre H1 doit contenir au maximum 90 caractères. Votre premier paragraphe entre 20 et 80 mots. Essayez de mettre votre phrase clé ou vos mots clés dans les 5 premiers mots de votre paragraphe. Et puis, je vous ai fait un petit déroulé des titres intermédiaires ou des sous-titres. C'est une composition type, on va dire, mais elle peut varier en fonction des besoins de votre rédaction. Terminer enfin sur une conclusion et puis citer vos sources et vos références. J'ai découvert ce livre blanc qui me semble très intéressant récemment, donc je vous invite à le télécharger. Il a été rédigé par une dizaine de professionnels de la rédaction web. Vous trouverez également le lien dans la description si vous souhaitez le recevoir. Vous pouvez m'en dire des nouvelles puisque je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu, donc si
vous avez eu la chance de le lire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi d'avoir votre retour par rapport à cette proposition de lecture. Autrement, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn. Sachez également qu'on a un groupe Facebook qui est désormais un groupe privé. Sur ce, ciao tout le monde et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.